l'image d'abord de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour nos enfants que nous aimons. Nous devons assurer un avenir pour nos enfants. C'est le message de votre sœur, Mme Dominique Ouattara. Elle dit que la place des enfants est à l'école. La première dame de Côte d'Ivoire apporte son soutien aux femmes, aux jeunes et aux enfants à travers des dons en matériel agricole, en matériel scolaire et en matériel de santé. La délégation conduite par Yao Patricia Sylvie, directeur de cabinet de la première dame, a fait escale à Bundiali. Pour la représentante de la première dame, aider les femmes et les enfants est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. À Dikodougou, Yao Patricia Sylvie a offert au nom de la première dame du matériel agricole et du matériel pour les centres féminins et la maternité du département. Yao Patricia Sylvie a invité les populations à s'inscrire dans la lutte contre le travail des enfants, mission que s'est assignée la première dame Dominique Ouattara. Elle indique également que les dons de Dominique Ouattara s'inscrivent dans la politique de développement du président de la République. Bundiali et Dikodougou marquent la fin de la tournée des remises des dons de la première dame aux populations du district des Savanes.